Samedi 20 juillet 2024. Une composition en 3 étoiles, mes 3 petites étoiles. Ça devait bien arriver. Ah, c'est mieux que ma première prise, je pense. Donc, celle-là, je mettrai 8 encore, malgré tout, parce que, je sais pas. Voilà. Je sais pas. En tout cas, ça devait finir par arriver. C'est arrivé. Ah, c'est arrivé. Mais c'est pas si grave que ça. Eh ben, je pensais que les petits problèmes de synchronisation sur le passage où les mains jouent en parallèle s'entendraient davantage. Eh ben, en fait, non, ça va, ça s'entend presque pas. Mais bon, moi, je le sais. Et sinon, bah, je trouve que la mélodie, elle est super. Je sais pas. Elle sent. Comment dire? Elle se tient bien, quoi. Elle est entraînante, et puis. Il y a un début, une fin, vraiment, elle raconte quelque chose, elle s'arrête pas. Enfin bon, j'aime bien la mélodie, quoi. Et puis, j'aime bien un truc aussi, c'est un petit détail, mais c'est à la fin, sur le tout dernier accord du morceau, et ben on entend la note de main gauche qui résonne pendant que je lève la main droite, et là, et ben ça fait une fin qui est réussie, à ce petit détail près, voilà, c'est vraiment parce que. On entend la résonance de la main gauche. Pam, 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 pam. Il y a ce petit truc. Donc, je trouve que le morceau est vraiment bien réussi. Plus que ce que je croyais. Alors, plutôt que 8, eh ben, je vais mettre 9. Ah, c'est un morceau excellent. La mélodie est subtile, le rythme est endiablé. On voit que la compo est semée d'embûches. On se demande si tu vas réussir à surmonter ces obstacles. Est-ce qu'il va y avoir une fausse note? C'est un peu comme une course contre la montre. Et tu réussis tout parfaitement. Alors je vais mettre 10.